vous voilà. Je vous cherchais. Madame M m'a demandé de vous transmettre un message de sa part. Vous vous êtes bien battu, venez à ma boutique quand vous serez prêt. Dites, au fait, ça vous intéresserait pas de continuer de faire quelques combats à l'occasion? Les événements comme la Coupe Cornéo ne sont pas fréquents, mais on organise toujours quelque chose dans l'arène. Vous avez toutes mes félicitations. La Coupe Cornéo de ce soir entrera sûrement dans la légende. Moi, je crois bien que le champion de ce tournoi pourrait battre un soldat. Vous êtes vraiment incroyable. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Ces petits pains au miel sont merveilleusement doux. Voilà enfin. Tout est prêt pour habiller Aerys correctement. Mais avant ça, je voudrais te parler de quelque chose. Il paraît que c'est toi, le fameux mercenaire qui résout les problèmes. D'après ce qu'on m'a dit, tu as un peu aidé les habitants du bidonville du secteur 5. Pourtant, j'ai franchement l'impression que tu aurais pu faire bien plus. Dans notre petit monde, tout est donnant-donnant, tu sais? Donc, la robe d'Aerys sera à la hauteur des efforts auxquels tu as contribué. De toute façon, c'est pour Don Cornéo. Quand il voit une jolie fille, c'est pas la tenue qui l'intéresse. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne fais que vous prêter cette robe, alors pas question de quitter le quartier avec. Vous êtes prêts? Très bien. Dans ce cas, je vais me mettre immédiatement au travail. Mais sache qu'une femme met plus de temps à se préparer que peut l'imaginer un homme. Voyons, voyons. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'occuper? Tu sais, il y a certains endroits où on ne peut pas aller avec une femme. Profite donc de cette occasion pour t'y rendre. Après tout, tu as l'air de t'y plaire dans ce quartier. Ne t'inquiète donc pas. Tu ne seras pas seule pour trouver des moyens efficaces de tuer le temps par ici. Les hommes se comprennent mieux entre eux. Alors j'ai demandé à Sam de bien vouloir s'occuper de toi. Qui vous a dit de prendre sa liberté? Tu sais vraiment pas ce que tu veux, mon grand. Si tu veux un bon conseil, tu ferais bien de profiter de cette occasion pour te débarrasser de cet aspect indécis de ta personnalité. Revenons à nos moutons. Je te prie de me suivre, Aerys. J'ai vraiment hâte de voir quel genre de robe je vais porter. S'il s'agissait que de la robe encore, on va devoir tout revoir. Ce maquillage d'amateur, ta coiffure mal ajustée et tout le reste. Tu vas être transformée, ma petite. Waouh! Bon, alors on se revoit plus tard, Cloud. Pas question de regarder avant que ça soit fini. T'es bien décidé par garder, non?
Salut. Madame M m'a tout expliqué. T'es devenu un champion de l'arène avec ton ami. Et maintenant qu'elle est occupée, tu vas en profiter pour goûter au plaisir de la nuit, hein? Pardon? Allez, te fâche pas. En plus, j'imagine que Madame M t'a pas donné le choix. Mais bon, t'es en effet quelqu'un qui sait très bien se battre. Ça, je suis bien obligé de le reconnaître. Mais il te manque quelque chose, tu vois? Par conséquent, je pense que tu devrais te réjouir. Profite de cette opportunité pour mûrir en tant qu'homme. Et puis, s'il y a une fille que tu veux protéger, c'est justement ce qu'il te faut. J'ai des boulots qui pourraient te convenir. Alors, t'es prêt à travailler? Juste de quoi passer le temps. J'aime cet état d'esprit. Bon courage à toi, Cloud le mercenaire.